Hey, salut tout le monde. Salut tout le monde. Voilà, on est parti pour une nouvelle partie de Invocateur. Et oui. Alors là, je suis grave dégoûté. Et ouais, on a tout perdu. Encore une fois, mais là, maintenant, on a compris comment sauvegarder notre partie. Suite à la dernière mise à jour sur les chats, et ben, du coup, on a perdu tout. Ouais. Donc là, on a recommencé, on n'a plus rien. On a un peu de légendeur. On a quelques spéciales. Enfin, non, on n'a pas de spécial et on n'a pas de mythique. On n'a plus du tout. Voilà, on a un peu les chats, puisqu'on continue le mode des chats. Ouais, on essaye de se remettre où on était pour continuer comme on était dans les anciennes vidéos. Voilà. Là, maintenant, ça nous a du coup reboosté. Et ouais, donc tous les modes, on n'a même plus qui sont débloqués. Trop compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre chaque monstre. Là, par exemple, on a Claudia, après on aura Grincheux. On va prendre chaque monstre et on va les évoluer au niveau 400. Comme ça, on va voir vraiment leur évolution et on va vous parler de chaque monstre précisément. Niveau 400 d'un coup. Donc là, lui, en attaque, il a 11 et une vitesse lente. Donc c'est Claudia. Donc elle n'a pas d'évolution. On n'a pas fait pour Gluant. On n'a pas eu l'occasion de faire la vidéo. On était tellement dégoûtés que... On l'a monté au 400 et on s'est dit, hey, on y va. Ouais, moi. C'est vrai que tu joues pas beaucoup, toi. Si, je t'ai avancé dans les coins. Donc voilà. Donc là, on va faire Claudia. Donc, on va pouvoir comparer l'attaque au niveau 11, vitesse, du coup, lente. Et donc, on a laissé la combi avec les tout premiers monstres. Voilà. On n'a pas de talisman. Les talismans, on verra plus tard. On en a quelques-uns, mais vu qu'on n'a pas fait les modes. Du coup, là, on évolue Claudia au niveau 400. Attends. Ouais. On la met toute seule. Hein ? On la met toute seule. Comme ça, on voit. Non, comme ça, on va voir. Regarde, en bas, au fur et à mesure que je vais évoluer, on va voir sa vitesse d'attaque. Je vais être satisfait. Vas-y. Ok, par contre, observez bien parce que ça va être niveau 400 d'un coup. Allez, vas-y. D'accord. Maintiens le bouton. On va voir monter. Allez, elle est montée à 300. 500. Alors, attends, lui, tu dirais combien? Un million, tu penses? Non, je pense un peu plus de 10 000 parce que là, c'est déjà. Bah, c'est déjà à 100 000. Ouais, bah, peut-être. Un million. Un peu plus d'un million quand même. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 6 millions. J'avais 10 millions. Non, 20 millions. Ouh! Aïe, 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 aïe. Alors? 56 millions. 0,3. Oh là 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 là. Donc là. Comparé à Gluant. On va. Oh, il fait pareil. Tous les monstres comme ça, ils font pareil, je crois. Donc. L'ordinaire. Elle est montée à 56 millions et 300 000. Gluant, il était à 56 millions et 300 000. Intéressant. Ah, tu penses que tous, ils font la même chose? Je pense. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est. On essaye de faire le mode chef de rachement. Avec un nouveau niveau 400. Ouais, okay, juste les deux de 400. Juste les deux? Ouais. Alors, là, tu veux faire ta combi, mais c'est pas marrant. On va la placer là, parce que sinon, ça va être trop dangereux. Attends, non, mais pas si, que elle. La zone. Non, non, on va tous les mettre, quand même. Comme si, quand on jouait notre partie normale, on n'a pas évolué les monstres, parce qu'on vient de les avoir, mais on va faire comme si on faisait une partie normale, pour voir si on arrive avec deux persos de 400... Et tous de 1. Vas-y, mets Flash et... Non, je veux pas mettre lui. Maintenant, voilà. On va voir si avec deux persos de 400, on arrive... Là, par contre, on va booster Claudia. Non, on va booster lui. Allez, on va booster Claudia. Voilà. On va booster le Bolcol. Donc, on va aller les totems. On va mettre électrique parce qu'il est rapide. Autant pour moi. Et Cappuccino aussi, il est rapide. Ouais, Cappuccino, il est rapide. On va mettre Mocha, comme ça, c'est double loup. En bas, on va mettre Félina, comme ça. Ah, par contre, c'est pas sûr qu'on gagne des légendaires dès le début, normalement. Du coup, on l'enlève. C'est avec les tirages. Ouais, vaut mieux faire comme si on avait gagné, tu vois, que les premiers monstres, tu vois. D'accord. Vraiment une partie où par contre, je veux que les premiers monstres, pour voir si on y arrive bien. Attends, et on va mettre... En sachant que maintenant, vu qu'il y a les talismans, qu'il y a tout ça, okay, c'est beaucoup plus simple de finir les tableaux qu'avant à l'époque. Ouais, on a gagné. Alors là, du coup, on arrive à la première vague. Tu l'as jamais testé?
Je l'ai déjà jamais testé, c'est ce que je t'explique. On vient juste de gagner les persos. J'ai fait que des tirages et j'ai fait que de gagner de l'argent. Non, en fait, donc du coup, bah normalement, on devrait peut-être pouvoir arriver avec deux persos de 400 et avoir 9 personnages. Tu crois qu'on a meilleure puissance après dans une autre vidéo parce que puissance, oui. C'est pas mal. Bah dans la prochaine, c'est tout. Dans la prochaine vidéo, par contre là on a que 155 000, je suis pas sûr qu'on va pouvoir l'évoluer. Mais pour Flash ça suffira. Ouais parce qu'il y a que 10 niveaux normalement. Tu veux essayer Flash? Là? Oh, je suis pas sûr qu'on a assez. Ouais, je suis pas sûr. On fera dans la prochaine vidéo. Ouais, comme ça on sera sûr qu'on pourra l'évoluer jusqu'au voilà, maximum. Voilà, dans les commentaires vous dites si on fait Flash ou puissant, c'est vous qui choisissez. Ouais. N'hésitez pas à nous mettre. On fera un sondage. Alors, du coup, là, tu pourras aussi regarder, ce sera les nouveaux monstres. Voilà. Oui, puisqu'on n'a plus les monstres. Wow. Voilà. Donc ça, bon, coup, ça, c'est les monstres de... Un orc ordinaire, il avance sans réfléchir. Débile. Donc, il est faible et il est moyen. Il est moyen. Ok. C'est intéressant. Et fais voir les boss, tout en bas. Il n'y en a pas encore dans cette dimension. Alors... Ça c'est le pire ça. Ouais, mais ça c'est dans... Mais ça c'est le pire, ça c'est un démon ce truc. Du coup, on en était... Voilà. On a perdu le nom de Noël. Eh oui, on a tout perdu. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, on y croit, on va remonter tout ça. Ouais. Ok. Alors, du coup, là on est à la vague 4, donc on va avancer. Eh, faudra qu'on fasse évoluer Gléon en Gléon. Oui, il faudra faire les évolutions. Et David en Diablette. Alors moi, je vous conseille déjà de faire tous les tableaux. Après, quand vous avez assez de personnages et tout ça, enfin assez de monstres, vous pouvez faire du coup les défis. Ouais, parce que lui, il va enlever. Et ouais, bah, on a perdu tous les défis. Donc après, vous pourrez faire les défis et comme ça, réussir. Bon, après, ça sort bien, hein. Ils ont même pas dépassé le monde. Oui. Ils ont déjà tous, ça fait deux coups. Assez bien. On peut bientôt faire 10 tirages. Allez, vas-y. Prends. On peut faire 10 tirages. Voilà. Let's go. Ouais, 10 tirages. Alors, en sachant que. On peut faire plus de tirages faites... de pierres mythiques que de pierres comme ça. Quand vous faites des tirages. Non, c'est... ça si, va. Les étoiles. Ouais, les étoiles. Ah, bah, c'est là. Où là. Voilà. Tu regardes donc, les étoiles. Plus vous permet de monter. Il en a 3 d'argent. Voilà. Et après, il y a. Ça fait. Une bronze, deux bronzes, trois bronzes, une d'argent, deux d'argent, trois d'argent, une d'or, deux d'or, trois d'or. C'est pour ça, c'est important de faire des tirages. Oh, viens, mal, on fait 10 tirages pour vas-y, voir. On fait 10 tirages ouais. Pour voir, mais juste pour voir. En même temps qu'on avance dans... Imagine, là, on a que des donc, il faut savoir que dans ce Yata. Mode-là, c'est 60... Non, on aura que des trucs ouais. Cool, mais c'est alors, pas grave. Non, mais vas-y, attends. Ah, ok. Oh, oui. On va pas attendre. Yes. Ouais, ouais. Génial. Ah, on sent la motivation, hein. On a besoin de ça, on est déjà super fort. Alors, du coup... Hop là. C'est pas pareil que quand on faisait les tirages des mythiques et tout, qu'on gagnait des mythiques. Ah, on pourra faire des mythiques. Ah oui, on va faire des mythiques. Ouais. Bon là, on a que... On peut faire que 24 tirages, je veux attendre de faire un peu plus. Mais on fera la même chose. On va faire les mythiques et on les augmente au niveau 400. Non, t'inquiète. Ça dépend du mythique. Alors, du coup, là, c'est un nouveau. C'est... Ça, c'est des nouveaux monstres qui viennent d'apparaître. Alors, donc, c'est des monstres super rapides. Voilà, c'est lui-là. Élevé, donc, moyen, lent. Donc, lui, il est lent. Ouais, lui, il est lent et je crois qu'il casse les pierres. Car il ne pouvait plus enseigner à l'école avec un seul. Je crois qu'il casse les pierres celui-là. Non, pas savoir. Et lui, il est pas rapide. Ouais, lui, il est faible, faible, mais il est rapide. Ouais. Bon, ça va, il a pas beaucoup de vie, il a pas beaucoup de défense. Donc, pour les premiers niveaux, c'est assez facile. Oh, un boss. Mais faut attendre qu'il arrive. Je crois que c'est vague 10. Wow. Lui, il fait AU et du coup, ça accélère les loups. Eh, j'ai eu un timing pad parfait, t'as vu. Ouais. Il fait AU en même temps que lui. Et du coup, ça a rajouté la crédibilité à un mec. Donc, oui. Donc, le boss là, il va arriver en vague 10. Donc, si vous voulez gagner beaucoup de pierres d'invocation. Ah, il faut que tu sais les spéciales aussi parce que du coup, on l'a perdu le petit zèbre électrique. C'est surtout celui de Noël qui est qu'une fois dans l'année. C'est. Ouais.
suis dégoûté. Ouais, il était nul, mais il était sympa. Ah ouais. Puis... D'ailleurs, de toute manière, le meilleur spécial, c'est Crispy parce qu'il est trop mignon. Allez, je vais pouvoir farmer à fond. Ah ouais. Ouais, faut qu'on retrouve notre nom. Ouais, aussi. Donc, je disais, si vous voulez avoir des pierres. Peut-être qu'il faut attendre. Il faut peut-être attendre qu'il meure. Hein. C'est rapide. Non, c'est bon. Il est déjà là. Cavalier de loup, il a domestiqué les loups féroces et rapides. Ce cavalier attaque avec des mains. Donc, très élevé, élevé, rapide. Augmente temporairement la vitesse de tous les ennemis. Ah, il augmente la vitesse. Regarde. Bon, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas écrit très élevé, genre. Si, ouais. Bon, alors. Hey, attends, on parie combien pour finir? Oui, bah, on va la finir niveau 60. Enfin, il y a 60 bagues dans ce mode. Donc, comme je disais, si Toto Zappi me laisse parler, enfin, hein. Donc, comme je disais, si vous voulez avoir des pierres d'invocation, le meilleur mode pour ceci, c'est la vengeance commune, parce qu'il y a plein de boss commune. Qui apparaissent d'un coup à la fin. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vagues. Il y en a 20, hein, si je me souviens bien. 30. On verra quand on la fera. Ouais, on verra quand on la fera. Enfin, non, c'est ma phrase. Ouais, mais j'aime bien piquer tes phrases. T'as fait quoi? Tu sais, à l'ancienne. Mais non, mais ça, c'est cher. Bah ouais, c'est ça, c'est cher. C'est... je me moi, souvenais moi, plus. Cher, quand non, ah bon? Du coup, c'est pas pour cher. Ça, c'est pas bien. Maman, elle a connu ça. En plus, ça s'allume la mâchoire. Alors, du coup... J'enseigne si ça allume la mâchoire, on va dire. Mais par contre, je suis dégoûté. T'as vu la mise à jour qu'ils ont fait pour le roi des slimes, au lieu de le gagner là, et bah tu le gagnes là. Et du coup, là... Non, tu le gagnes pas là. Hein. Tu le gagnes en oui, mode... Oui, normal. Normal. Mode normal. Ouais. Oui, mais tu le gagnes dans ce truc. Alors qu'avant, tu le gagnais là. Et là, tu gagnais morsure mortelle. Oui. C'est vrai. Alors maintenant, c'est plus ça. Je me souviens quand j'ai commencé à faire ça, pas mal de débutants, il y avait une morsure mortelle dedans. Ah ouais? Je me suis dit, oh, ça doit être un légendaire exclusif. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il y a la fin. T'as acheté le pack? Non, je l'ai pas, non, je l'ai pas acheté. Moi, je dépense pas dans l'indicateur, je dépense en Stumble Cakes. Bon, moi, j'ai juste dépensé les 3 euros dans 3 parties du coup. Chaque fois que je perds ma partie, cher, hein. Ouais, ça revient à 9 euros là déjà. J'ai dépensé pour avoir la vitesse x2. Ça fait 3 x 3. Parce que c'est important, moi je trouve, aller deux fois plus vite. Parce que sinon, c'est pas raison, bon. Attention, est-ce que ça vaut 9 euros du coup? Non, peut-être pas 9 euros quand même. Mais là. Bon, ça arrive, vaut, ça arrive. Attends, mais c'est ça rapide. Ah ouais, la vache. Non, pour moi rapide, c'est ça. La différence? Ah bah d'accord. Il était dans le jeu, il y a pas. Bah en fait on avait peut-être même pas besoin d'évoluer tous les joueurs. En fait. Parce que ils sont tous morts. Jusqu'à maintenant, tout passe. Ouais, tout passe. Avec lui au niveau 400, ça passait. C'est bizarre, en fait, il me fait pas évoluer, ça ne bouge pas beaucoup. Ouais. Ça ne bouge pas beaucoup, mais ça lui suffit au niveau 4. Donc voilà, si vous commencez la partie... Et tu sais à quoi il me fait penser, Claudia? Non. Au premier slime dans Slime Run, genre le petit Slime Run. Tu sais à quoi il me fait penser... Lion. Ouais, tu sais à quoi il me fait penser? Moi, à Bouge Tout. Non, Slime Radioactive dans Slime Run. Juste à Minecraft. Ah ouais, mais moi j'adore Bouge Tout et... Mais Bouge Tout, il a des bras et... Oh. Ah vas-y, achète. Oh. Ouais. Enfin des pierres. Waouh, on avance super vite. 270. Ouais, c'est pareil, ces pierres là. 270, c'est... parce que t'as un nombre rond, c'est trop fort, je sais pas comment t'as fait d'ailleurs. Non, tu peux avoir des nombres par rond. Bah justement, c'est ça que je sais pas comment t'as fait. Comment tu peux avoir un nombre par rond, c'est ça. Ah, pour avoir un nombre rond. Le chaman, il est dangereux. Hein. Ouais. Eh, on est déjà à la vaccine, non? C'est pas mal. Alors, est-ce que tu peux aller voir, du coup, il y a eu des nouveaux monstres? Non. Que le chaman, il est déjà là. Il faut attendre la vague 20. C'est tous les 10 vagues, hein, je crois qu'il y a un boss. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Donc là, on est à la vague 17. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sortir un truc du sol. C'est Gluon? Non, c'est le chaman. Ah, parce que je vous disais, Gluon, il fait pas ça. Non, c'est pas ça, c'est le chaman. T'as vu, il a refait.
Et ça sert à quoi je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Il les enchaîne. Il y a un truc qui sort, il prend. Eh, c'est bien, hein, ça va nous donner des. Il a fait un rituel. Alors. Bon, n'écoutez pas les bruitages de Toto Zappi. Ils ont fait ça. Ah, ils sont lents, c'est là. Non, mais c'est comment tu fais en mode comme ça, c'est horrible. Tu sais que là, pour le mode des chats, vu que je suis bloqué, parce qu'on a plus tous les chats et ils sont pas évolués, du coup des fois je mets en mode lent pour pouvoir lancer la boule de feu. D'ailleurs on va en lancer une pour le coup. Ah oui. Ah mince, j'ai mal fixé. Non, il faut que j'explique aussi pourquoi on arrive à gagner assez facilement. Eh oui. Ah, t'as amélioré. Voilà. En fait, là, ce qu'il faut améliorer en priorité, c'est le double attaque de monstre, le premier en haut. Les bonus, il faut vraiment les améliorer. Ça, c'est les choses c'est les plus importantes. Pas les trucs que t'améliores avec les pierres avec lesquelles tu... Non, ça, c'était de l'argent et des gemmes. Ouais, mais les gemmes, moi, je m'en sers pas pour ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à économiser mes gemmes. Donc, c'est parce que dès que j'en ai assez, j'invoque. Ouais, non, moi, j'utilise déjà pour ça. Ouais. Et là, je viens de le faire. Parce que là, tu vois, tous les monstres... Ouais, mais c'est pour ça toutes les gemmes que je t'ai gagnées, elles ont disparu. 140%. Sur quelle partie? Sur celle-là? Oui, sur celle-là. Bah, au début, en fait, ils te donnent 30 gemmes. Non, 50. À chaque fois que tu vas sur un des trucs, sur les trois, là. Du coup, j'en ai gagné 150. Oui, et là, je reviens, il y en avait plus beaucoup. Montre aux abonnés sur quel truc il faut aller pour gagner les gemmes. Ah, mais non, mais c'est quand on lance la partie, c'est au début. Ah oui, c'est vrai. C'est quand vous mettez sur Instagram, Facebook... Et YouTube. Et il arrive, YouTube. Il est mort. Après, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Hein. Il demande non, de s'abonner. Non, vous faites tac, retour. Vous faites hop, vous validez, vous retournez. Il est là. Et ça vous donne les gemmes. Donc un vocal adorant, un totem qui améliore l'ennemi. Ah bah vraiment, il est défoncé d'un coup. Le maître des totems. Tiens, je t'ai dit, c'est un chaman. Ouais. Ce totem peut tout faire sauf trouver son véritable amour. Ah. C'est une victime, en fait. Alors... On est à la vague combien? 20. 20? Ouais, il est mort. Il est sorti. Ouais. Bien, il a fait piou. Et du coup, il a fait couleur. Ça y est, on a terminé la vague 20. Après, pourquoi c'est bien de mettre Claudia au début quand on a que ça? Parce qu'elle a quand même une très grande portée. Genre, il y a un monstre qui essaye de défoncer un caillou ici. Bam! Ouais, elle peut attaquer. Ouais. Mais franchement, même si c'est le monstre il arrive, il fait. Bye bye. Et Gluant? Ah, il est petit, ça peut. Oui, Gluant, il est petit. Ouais, c'est pour Et ça. Le pire, c'est Pilou. Mon cas aussi. Et lui. J'adore Pilou. Hey, je fais ma petite blague, ça fait longtemps. Pilou face. Ah, tu m'as eu. Pilou, bon moment. Oh. Ah ouais, là, j'avoue, c'était cherché. Ah. Orque de l'ombre, orque d'infanterie du village de l'ombre. Ils vivent et meurent dans l'ombre. Waouh. Faible, moyen. Ouais, du coup, c'était vraiment des orques de l'ombre. C'est beaucoup de l'ombre. Ouais. Shadow. Alors. La vague 21. Donc pour vraiment avoir une grande puissance, c'est les bonus. On est bien d'accord. Ça y est, c'est bon, il s'éclate. Alors. Oh, c'est quoi, il a une machette, ça veut dire qu'il veut tout défoncer les cailloux là. Franchement, ça fait trop de bien aussi de recommencer une partie. T'en penses quoi? Ouais, bourreau de l'ombre, il voit mieux si on lui bande les yeux parce qu'il vit dans l'ombre, élevé, moyen. Mais attends, mais comment tu peux mieux voir? Il a une petite orque tête de l'ombre de... en armure. Attends, mais. Ouais. Il s'est juste refait la coiffure et ajouté des brassards. Grave. Et fais voir le troisième. Orc de l'ombre en armure, fort et puissant. Plus il va vite, plus il est destructeur. Pourtant, il est moyen. Il a des cheveux. On va voir le prochain, vas-y. Vas-y. Oh, mince. Pourquoi il avait une peine, le chevalier de la tour, ça me dit. Ah. C'est pour enterrer ses ennemis. Non, pio, pio, pio. Ah là, il n'y a pas les cheveux, là. Oh, un non. Bah, c'est toujours le même. Mais là, on gagne deux pierres, alors que dans le premier niveau, on gagnait une pierre. Donc c'est important. Non, ça dépend. Moi j'en ai gagné 5 avec un seul niveau. Oui, mais quand t'es en bas. Quand t'es dans la vengeance. Des petits sangliers. Oui, ils ont pu rejoindre une cause aussi dangereuse. Alors, des sangliers. Des petits sangliers, regarde.
Non, c'est des cochons de l'ombre. Le cochon de l'ombre. Charge courageusement au combat, il ne servira pas de repas ce soir. Ah ouais ? Dans Astérix. Grave. C'est un de mes personnages préférés quand même, Obélix. Dans Astérix ? Non, ah. Moi c'est Idéfix. C'est Idéfix ? Ouais. C'est vrai qu'il est mignon, Idéfix, mais j'adore Obélix. Franchement. Il tombait dans la potion quand j'étais petit. Par exemple, à chaque fois, les meilleurs persos dans les films, c'est les persos les plus sous-cotés. Les persos que personne aime. Enfin, que les gens ils aiment. Il y a des persos qu'ils aiment beaucoup plus. Oui, les persos secondaires, pas les persos principaux. Par exemple, mais... dans Demon Slayer, voilà. Mon perso préféré, c'est pas Tanjiro, ou Zenitsu, ou Nezuko, ou Mizuki. Non, mon perso préféré, c'est le moineau de Zenitsu. Mon perso préféré, c'est un moineau. D'accord. Mais il est trop mignon. Alors moi, j'ai pas encore commencé à regarder. Ils ont sorti la saison. Ouais, et sur Amazon, ils sont plus avancés, mais c'est en VO, je dirais. Ghost FR. Ouais. C'est comme dans les Animaux Fantastiques, mon perso préféré, c'est pas Dragon, c'est pas le Mortal Dragon, non. C'est Nif Nif le Nifleur, qui s'appelle pas Nif Nif. Hein ? On peut avoir une Nifleur dans mon café ? Non, 50. Waouh. Wow. 50, ouais. Waouh. Maintenant, on peut faire 25. Vous voyez ? Wow. Il y a plus de pef que là, on peut en faire. 25. 4. On a du 26. Allez, on arrive bientôt à la moitié. Mais comment tu peux assommer un totem ? C'est ça que j'ai jamais compris. Ouais. Oh, mon cœur, il a une grande bouche. On a assommé 3 d'un coup. Ça les raisonne. Ça les assomme. Aïe, aïe, aïe. Wow. Ça y est, là ils ont commencé à passer. Le prochain, je te jure, après lui et lui, on fera lui. Éclair. Ouais, éclair. Il est génial, éclair. Non, pas éclair. C'est électrique. Ouais, électrique. Éclair, c'est légendaire. Oui, c'est vrai. En forme de cheval, alors. Non. Non, c'est pas sûr. Non. C'est pas lui. Non, éclair, c'est le légendaire qu'on a, la boule de feu. Ah oui. Oui. D'accord. Ils ont tous des noms nuls. Et c'est important en fait d'avoir certaines catégories pour les modes de défi. Parce qu'en défi, il faudra faire éclair ou. Vous voyez, parce que en fait, je vais cappuccino et mon chat. Pourquoi ? Cappuccino et mon chat. On va mon cappuccino. Et en fait, ça donne des mots. Je sais plus. C'est juste parce que c'est deux chiens. Dis-le en fait, clairement que c'est juste parce que t'aimais bien et que tu voulais deux chiens là. C'est deux cousins, en fait. Ils évoluent en plus. Oui, ils évoluent. Les deux ou ouais. Comment ça ? Par contre, sans faire l'espoir, je me suis spoilé l'évolution de tous les monstres. Ah ouais ? Du coup, lui, ouais. Il a un corps après. Ouais, mais il faut pas le faire. On va faire quand on aura l'évolution. En mode, lui, tu t'attends à quoi ? Tu t'attends à l'évolution ? Il a une plus grosse tête et tout. En fait, non. Il a une plus petite tête, mais il a un corps. Bon, on a même plus les évolutions. C'est ridicule. Oh ! Oh ! Oh ! Peut-être qu'il était assommé, c'est pour ça ? Il a donné un coup dans la pierre. C'est dangereux. Maintenant, il peut plus assommer tout le monde parce qu'il a déjà assommé. Alors, c'est pareil, dans les bonus. Améliorer vos pierres pour qu'elles défendent beaucoup plus. Ça là, elles sont vertes. De points de vie. Ah non, ils ont assommé les deux petits chiens. C'est pas grave, ils vont même pas jusqu'à là-bas. Oh non, il a assommé le cappuccino deux fois d'affilée, il n'y a pas le droit de faire ça. Alors, vas-y, montre-nous le nom. Je le montre avant qu'il meure parce que sinon ce serait un peu ridicule. Champion de nom. Sentez sa puissance écrasante, c'est renversant. C'est vrai que. J'ai pas compris la blague. Il assomme. Très élevé, très élevé, rapide. Lance des pierres qui peuvent étourdir avec précision. Non, attends, t'es prêt ? On va voir s'il va survivre. Un coup. Bah, au moins, voilà. Et t'as vu la puissance qu'il a ? On en parle qu'ils ont même pas réussi à arriver ici. Genre, leur record c'est là. Ouais, leur record c'est électrique. Donc, aussi, elle les a attaqués. Mais oui, c'est pas mais voilà. Quoi. Ils vont pas dépasser l'électrique. Mais Claudia, c'est du chip. Mais attends, peut-être que. On va pas attendre la vague 60. Si, on va attendre la vague 60. Tu y crois ? Ouais. Et dès qu'on a 100. Ah non, on aura pas 100. Parce que je rajoute 30, ça fait 87. Arrête de calculer comme ça. En plus, ça fait 87 si tu rajoutes 30. N'ai pas oublié qu'il y a les boss qui vont arriver. Oui, mais il y a quoi ? Il y a 3 boss. Non, ils reviennent après. Regarde, vague 34 par exemple. Ah bon ? Les anciens, ils reviennent dans les vagues ? J'en sais
j'en ai vu un revenir. Ah ouais. Et c'est pour ça que dans le mode du bas là, vengeance commune, que tous les boss ils sont là. Parce qu'ils font alliance. Ah oui. Ils font attaque. Tu sais à quoi tu me fais penser quand tu fais piou 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 comme ça? Non, les anciens jeux, tu sais, où t'as juste un vaisseau là, qui fait comme ça. Space Invader? Et qui tire tout le temps. Oui, Space Invader. Si tu le dis. Je sais pas. Les extraterrestres qui descendent. Ouais, bah moi à l'époque c'était que des vaisseaux. Hein. C'était pas des extraterrestres. Si, c'est des petits pixels là qui descendent et c'était des extraterrestres. Des extraterrestres? Oui, c'est ton époque. C'est dans le livre de Gabi là qui m'a montré. Tu sais que j'en ai téléchargé un jeu comme ça dans mon téléphone. Et je joue encore à ça. C'est trop bien ça. Ah ouais, mais là maintenant c'est tellement futuriste qu'il évolue ton vaisseau, machin et tout. Il est évolue. Non, c'est pas mal. Tu peux choisir sur quelle planète tu veux aller et tout. En fait, Space Invader, c'est pas les aliens qui envoient, c'est toi qui envoies l'espace. Oui. Que tu pars. En fait, c'est pas les aliens qui veulent te tuer, c'est toi qui veux tuer les aliens. Les aliens, ils veulent juste te défendre. La conquête de territoire, c'est mal. À l'époque, j'ai pas vraiment regardé et tout. Hein. On s'est juste attiré tout ce qui vient dans mon train. Jamais vu ça comme ça. Tu t'es dit, oh, des aliens, il faut tous les exterminer. Ta 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 ta. Peut-être, on est en train de défendre la Terre, et les aliens ils arrivent, c'est pour ça qu'on bouge pas. Hein. Eh ouais, tu t'es pas dit ça. Mais tu bouges tout le temps. Tu vois, il est revenu. T'as vu qu'il est revenu. Boum. Ah ouais, 60 points. Sauf que t'as tourné la tête. Ouais, je sais pas, ça, je l'ai pas vu, j'ai juste vu la pierre d'invocation aller là-bas. Donc j'ai pas vu combien de pierres d'invocation. Mais... Tu sais, le mieux, c'est les mecs oranges qui vont venir après avec leur table. Ils sont super durs à tuer. Après, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a un boss là. Il va empêcher tes monstres de faire un dégât. Enfin, du coup, tu fais que 0 dégâts pendant. Ah bon? Ouais, c'est horrible. Et c'est pile au moment où il y a les gros bonhommes oranges là, qui arrivent. Il va empêcher et les bonhommes oranges, ils te donnent des pierres comme ça, ils sont trop bien. Ah, des. Les grands bonhommes oranges là, ouais, les petites gemmes. Ça, ah ouais, là. Les gemmes. Ouais, les trucs violets. Ouais, rose. Ah, violet. Oh, c'est violet. C'est violet. Vous voyez là où on a le 26, juste en dessous des pièces. Donc c'est ça que Toto Zappi oui, parle. C'est violet. Et je suis pas trop sûr. Hein. Ah ouais, c'est on va faire un vote. C'est un petit rose-violet en fait. Non, hein. C'est violet. Ouais, il y a les deux couleurs déjà. Ah, c'est comme si ça se disait que c'était vert. Bah, ça se voit que c'est orange. Elle était bonne, non? Non. Alors, mais c'était bleu. Côté agrume, je préfère pas, j'aime pas les deux. Et c'était gris et blanc. Côté agrume, je suis plus... Attends, j'ai caché ma blague. Attends, j'ai caché ma blague. Pamplemousse. Oui, voilà. Côté agrume, je suis plus pamplemousse. Je l'ai dans tes sens. Côté agrume, je suis plus pamplemousse. Et là, vous rigolez tous parce que... Ouais, non, mais t'as raté. J'ai gâché ma blague, j'avais oublié le nom du truc. C'est bien ton blague quand c'est du tac au tac et qu'elle sort tout dessus. Tu vois? Tac. Tu préfères tac au tac? Ouais, mais TikTok, c'est. Tu sais à qui ça me fait penser, TikTok? Tiki tiki tac. Ranger, du race. C'est pas les écureuils dans Mickey? Mais ouais! Non, c'est avec. C'est pas Mickey, c'est avec. Tu connais pas la bande à Picsou? La bande à Picsou! Non, moi j'ai joué au jeu quand le vieux jeu que tu m'avais fait jouer là. Eh, tu sais que. Fallait récupérer des trésors sur chaque planète. Et même sur une planète, on a récupéré un gros fromage pour le périmé là. Ah ouais? Ouais, un fromage, il était tellement périmé que je l'ai fait. Oui, tu vois de quoi je parle? Oui. Et même t'as un boss rageant là. Ouais, en fait, c'est un jeu. Hey, il est trop bien ce jeu. C'est un click and play en fait. Il faut cliquer sur des objets et trouver où ils vont et tout ça. Non, c'est comme un jeu de plateforme. Tu sautes et tu vas pas des ennemis. Même en moment, t'arrives dans un manoir où il y a des chauves-souris. Et il y a Mystique à Saint-Fé, je sais plus pourquoi. Et puis ta 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 ta. Et toi, tu la sautes. Ta 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 ta. Je sais pas comment. Et même dans une autre planète, dans l'espace, il y a un rat de l'espace, un gros rat. Et bah, il t'attaque parce qu'il veut pas que tu voles son fromage vert. D'accord. Et même, il y a une map. Où t'es dans l'Himalaya. Tu te souviens pas? Ah mais ça c'est Picsou. Mais oui, c'est ce que je te dis. Ah oui, le jeu Picsou, mais il est génial. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. C'était sur NES. Je sais
sais pas. Oui, mais en tout cas, tu m'as fait jouer et c'était en couleur. Ouais, c'était en couleur. Bon, après, je peux te faire jouer à des jeux en noir et blanc. Mais hein, il était trop bien. Non, moi, je veux rejouer à Tesla Grad. Tesla Grad, c'était un banger. J'ai jamais réussi à le finir. Au niveau de la ventilation. Eh, les amis, mettez-nous en commentaire si vous voulez des jeux rétro en vidéo. Demandez Tesla Grad, s'il vous plaît. Tesla Grad, c'est trop bien. Avec les petits bestioles noires qui ne touchent pas. Tu voudras faire des vidéos de jeux rétro? Moi, je veux faire Tesla Grad. Bah, vas-y, hein, si tu veux faire. Mais Tesla Grad, en fait, tu meurs. Et bah, tu respawn. Mais en fait, c'est pas ça, quoi. Ouais. Et là, il y a un i qui apparaît. Comme ça, on aura plus de vues. Alors, un nouveau boss. Ça se voit que c'est la vidéo à Toto Zappy. Ouais, mais moi, je suis fier. Il va en parler tout le temps dans chaque prochaine vidéo. On voit qu'un portail pour appeler l'ennemi. Oh, c'est un portail. Hey, attends, chaman de l'ombre. Chef du clan de l'ombre. C'est un magie, il fait sortir les autres orques de l'ombre. Arrêtez d'utiliser le mot ombre, c'est pas. Bah, c'est. En plus, il est plus là. Il est où? Bah, il a été tué. Il a pas fait long feu. Hey, regarde ces petites boules, on dirait des arbres. Ah. C'est trop bien parce que. En fait, il lance. Regarde, en fait, tu mets un petit ralenti. Quand il meurt. Ouais, on va arrêter parce que c'est comme ça. Il s'amuse à faire des ralentis. D'accord. Bon, Toto Zappy, allez, vas-y. Laisse-le partir jouer. Ok, vas-y. Et. En fait, il lance des boules d'acide. Ouais. C'est ça. Ouais. Sa spécialité avec Lyon. Mais bon, mais non, c'est pas des boules d'acide, c'est des boules de slime, il est pas assez dangereux. Mais c'est de l'acide, regarde, il est décomposé le corps. Mais il est pas décomposé, mais n'importe qui. Okay, non, mais même Mocha quand il le. Non, Mocha quand il le mord. Oh. Bah, moi je t'explique, hein. Quand je mets. Attends. Champion du clan, rage au point, obtient le coffre ou meurt en essayant. Waouh. Eh ben, il va mourir en essayant. Attends. Quoi? Tu m'as fait mal au dos en plus. Ah, il y a celui-là. Orc rage au point, sa rage est enfouie dans ses poings et ses yeux. T'as pas remarqué que c'est le même? Oui. Que l'autre? Mais lui, il a. Sauf qu'il est en couleur. Quoi? Mais non. Si, non, l'autre avant là. Celui-là. Oui, je sais. C'est le même. Mais en fait, la différence, c'est que lui, c'est le même que l'autre là. Sauf que lui, il a une peau de loup. Ouais. Il a tué Mocha. Oh. Donc, par contre, je disais, moi, ouais. Par exemple. Ouais. Je te disais que le slam, il va pas non, il lance, décomposer il pas. Les corps. Regarde. Regarde. Attends. Oui, mais. Regarde. Non, c'est une goutte de slime. Ha. Oui, je suis d'accord. Mais on dirait plus de l'acide. Parce que non, moi, quand je mets mon doigt dans du slime, eh ben ça fait des poutres. Non, ça c'est de la pâte à poutres, c'est pas du slime. Et tu sais que le slime, il fait aussi. Si tu mets dans un récipient, tu laisses de l'air rentrer d'abord. Tu mets ton slime. Mais tu crois que tu mets ton doigt. Eh ouais, c'est du slime. C'est pour ça. Oh là là. Donc, alors, on est à quelle vague là? J'ai même pas fini. 42. Et il nous reste... Et leur record c'est là parce que l'autre il a bloqué l'attaque. Il nous reste 18 vagues et ils ont toujours des pas. Des nouveaux loups. Claudia. Je suis trop observateur, t'as vu? Gang. Le grand loup le plus puissant de tous les pays. Waouh. Il est nul, il est moche. Il est beau. Il est pas original. Oh, moi j'adore. Mais c'est juste lui en noir et blanc avec une plus grosse crinière et des yeux blancs pour faire peur. En fait, c'est le même. Ils ont juste changé la couleur. Même Mocha, il fait plus peur. Oh, quand on évolue, il est trop beau. Oh, regarde, c'est trop mignon. Ouais. Attends, on ouvre la bouche. Tiens. On dirait un petit moineau. Tchirp. Ouais, bon. Comme Léo. Oh, c'est lui, Léo. Ah mince, je suis pas petit. Alors, non, il est pas comme ça, Léo. Si, c'est Léo, regarde. Regarde, il la voit comme lui. Oui. C'est juste, tu fais un peu plus ressortir les yeux, c'est Léo. Alors, vague 43, ça veut dire qu'il reste 17 vagues. Mais laisse-moi finir ma phrase. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Regarde, attends, x2, là, il y a des grands loups. Et bah c'est des grands loups. Oh, tu vois, c'est eux, là. Regarde, des fois, ils te donnent des pierres. Ils m'ont rien donné, j'ai pas de chance. Du coup, on va aller voir. Mais en mode, des fois, ils te donnent des pierres violettes comme ça. Pourquoi j'en ai eu 6? 6 en une vague. Mais après, c'était peut-être une invasion. C'est des mini-boss, regarde. Berserk, rage au point, né avec la rage et une lance dans la main. Il le voit, il a vu, il a détruit. Là, il a pas eu le temps de voir, tellement qu'il était mort rapidement. C'est pas un dicton? Non. Non, mais ils ont formulé comme ça. En fait, comme si. Non, c'est un dicton. Ah bon, lequel?
Je sais plus, mais c'est un python. J'appelle ça un lapin. Moi, je suis un des rares spécimens pour faire un lapin. On est trois. Oui, ils sont trois dans la. Mais du coup, c'est trop bien. Parce qu'on a fait un goûter, du coup, faire un lapin. On cherche des recruteurs. Des recrutés. Il y a pas plus tard, je me suis recruté. Personne n'a recruté. Voilà. Ouais. C'est toi le recruteur en fait. Ah, en fait, même un jour, il y a eu deux profs qui sont arrivés. Et on l'a prof, ouais, il y a une prof, elle s'appelait Madame Langlet. Et du coup, il y a une pote en latin qui l'a balancé. Ah, mais c'est ça, c'est pas pour son vrai nom, c'est la matière qu'elle enseigne. Et la prof, elle a fait un an, moi je suis prof d'espagnol. J'étais mort de rire. C'était vraiment le goûter. Et il y a eu deux profs qui se sont incrustés. Après, avec les profs, on a fait une partie de Uno. Une partie de Uno avec les profs? Ouais, c'est trop bien. Ah bah, franchement, tranquille, les cours. Non, mais c'était qu'une fois. Hein. Là, on essaie de prévoir un repas, par contre. Des chèvres en chaud. D'abord, je leur une tire à terre. Ah là là. Je pense que, ouais, maman, elle pourrait faire la recette quand même sur la chèvre familiale. Chèvre en chaud avec du miel. Ouais, c'est trop bon. Le problème, c'est que mon autre pote, elle aime pas le chèvre. Ah bon? Du coup, je trouve ça honteux. Bah, elle met du camembert. Elle fait du miel. Je sais pas ce que ça peut donner, mais non, ça peut le faire. Hein. Ouais, ça peut après, attendez, il faut mieux. On a bien fait une sauce au camembert. Oui. C'est bon. Ah, c'est lui là. C'est lui. C'est quoi? C'est le chaman. C'est lui, regarde. Ah, il t'a passé. C'est lui là, je t'ai dit. Regarde, en fait, son pouvoir à lui, c'est qu'il empêche les gens de se prendre des dégâts. Regarde qu'il va faire quand il va lever son pouvoir. Ah ouais. T'as vu, il est horrible. Ah ouais, ouais. Heureusement, lui il fait rien comme dégâts. Mais lui, il est horrible. Dès qu'il va venir, heureusement, il va mourir. Il va 46, hein. On après, tu vas voir. Il a 49, je crois. Il y a une invasion de bonhommes orange. Ah. Tiens, regarde, les bonhommes orange, là. Ah, c'est ici. Regarde. On est pas. Regarde, c'est horrible. Oh là, il commence à taper. Regarde, je t'ai dit, c'est horrible. Pierres. Ils les ont assommés. Ah, regarde, les pierres, elles sont en mauvais état. Ça va, les pierres ont subi des dégâts, mais elles tiennent pas. Elles ont 2000. Regarde, c'est eux là, c'est pire. Ah, mais en plus, quand il tape ta pierre, ça assomme lui. Ah ouais? Oh, il a pas eu le temps, trop de chance. Oh là, il a du mal à les tuer maintenant. Et non, il est one shot, arrête de faire genre. Oh, deux coups hein, quand même. Non. Elle fait 47. Bon, bah là, je pense qu'on va la gagner facile. Ouais. Oh. Regarde, je t'ai dit, on pourra aller faire les tirages. À la fin de la vidéo, on fait le tirage de 10. Moi, j'y crois. Oui, on va peut-être pouvoir. S'il n'y a pas de tirage de 10, vous êtes obligé de ne pas vous abonner. Il y aura un tirage de 10. Chut, je sais pas, je crois qu'ils s'abonnent tous. Ah, c'est pas que c'est ça. Non, mais... T'inquiète. C'est pour me réconforter, pour me prendre une carte à l'heure. Bah, peut-être dans la prochaine. Et du coup, il n'y a pas eu d'abonnés parce que j'ai dit, bah, si on n'a pas de carte camo, vous êtes pas obligé de vous abonner. Elle était bien, hein. Si j'en ai, vous êtes obligé de vous abonner. Parce que la dernière fois, j'ai pas une camo. Hein. J'adore cette carte. Moi aussi, j'adore cette carte. C'est pas mal après, comme ça, en fait, d'être vidéo. T'es un petit cratère, toi. Non, un gratteur. Ah ouais. Et bientôt, on a fini, là. Je t'ai vraiment payé mon salaire YouTube. Et ça rapporte, hein, c'est pas mal. Alors. Du coup, et ouais, Dr. Zappy il a gagné 20 euros. Ouais. Félicitations. Mais là, c'est que pour les. Tiens, tu vois, je t'avais dit, tiens, les pierres roses. Non, violette. Rose. Violette. Regarde. Claudia, elle aide, hein. Bah oui, Claudia, elle aide, regarde, elle peut. Ah mince. Chaman rage au point, c'est bon, il est ça mort. Ça y est, il arrive. Regarde, il est déjà mort. Et du voilà. Coup, on va l'examiner. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Lui. Avec le pouvoir du clan des rage au point, il invoque les ancêtres pour protéger ses amis. C'est mignon. Bah, il est mort. Protège l'ennemi avec un bouclier de rage. Il fait élever lampe. Mais c'est pour ça qu'il est mort direct. Attends, il n'y a plus de monstre pour faire montagne. Alors, là, Toto Zappy se rappelle de son jeu de musique, là. Ça sonnait bien parce que ça faisait vraiment le rythme de Mario au tout début. Ouais, mais il y avait trop.
ça y est, ma mamie, elle a un truc dans la tête là. Oh là 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 là. Piou, 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 piou. Alors, vague 50 terminée. Il reste 10 vagues. Attends, attends, on va faire un DJ, un DJ. C'est vrai qu'ils auraient pu faire comme ça en mode musique. J'aimerais bien voir comment tu vas t'en sortir quand il y en aura plein de choses. Je vais faire ça. Genre, en faisant piou piou piou. Ah ok. Ah mais t'inquiète, ça, je gère, que, je suis super. Que il va en avoir plein. Regarde, attends, attends, ne dévoile pas ton secret avant que ça commence. Mais il y en aura pas autant. C'est quoi? Ouais. Non, je suis sûr. C'est là, à la fin, ça. Si à la fin, il y en a plein. Ah, je serais mort de rien. Tu vas pas arriver à ce que tu penses. On parie. Moi, je parie 5 euros sur mon salaire. Tu t'échauffes ta gorge, là. Je parie 5 euros sur mon salaire, monsieur. Bah, déjà, entraîne-toi. C'est-à-dire qu'on devra 25 euros si j'arrive. Non. Non mais il faut que tu sois vraiment synchro quand il meurt. Hein. Sinon c'est trop facile. T'inquiète, j'y arriverai. Mais ça c'est facile alors. Sur la dernière vague. Oh, toute la dernière vague. Allez. Toute la dernière, ouais. 5 euros. Non, mais non. Mais non, mais hein, arrête de gratter. C'est dommage que j'ai pas un x10. Vague 53. J'ai fait Rickroll. Tu connais pas? Eh, t'as raison. On va peut-être atteindre les 100. Parce que il nous reste 6 vagues. Et tu connais pas? On est à 89. Même au début, tu vois sa chaussure. C'est un jeu. Ah, c'est musique. Oui, si, je connais. Bah voilà. Oui, je connais. Voilà. Et même il y en a un, il a fait une parodie. Il a dit quel est ce Pokémon? Et en fait, ça ressemblait à un cocon fort, mais en fait, c'était la chaussure de Rickroll. Ah ouais. C'était trop marrant. Du coup, ça a deux zombies, ça fait tout. Et c'était marrant. Alors, la vague 54, on l'a terminée. Ça c'est génial. On va finir la 55. Bah franchement, il y avait peut-être même pas besoin d'évoluer Claudia hein, pour finir. Non, mais elle a bien servi. Si, oui, elle a servi. Si, elle a servi de fou ici, sinon on serait mort. Moi je sais pas à si part, on serait mort. Moka à niveau 50 pour moi. Ouais, mais du coup on fera pas de vidéo. Si, on fera une vidéo de Moka. Mais maintenant il faut regagner les pièces maintenant. Des petits poissons. On va essayer de s'apprécier de boucher à gagner les pièces. Du coup, tu m'as lancé le challenge pour 100 euros sur mon salaire YouTube. Dernière vague, si j'arrive à faire tous les vidéos. Non, mais t'es pas sérieux. Mais comment ça, 100 euros? T'es un gratteur. 5. Non, non, non. Mais non. 50 centimes. Mais non, arrête de jouer d'argent. 10 mais centimes, s'il te plaît. C'est... Moi, je joue pas les paris, les jeux d'argent. Regarde, il est là, le boss. En plus, lui, il les accélère. Ça commence à partir de quoi? Tu veux tes 5 euros? Il faut que tu gagnes lors des directs. Mais la dernière fois, ils étaient trop chauds. Même... Regarde, ouais. Je me suis rendu compte à la fin du direct que dans la chambre de Joe, il y avait tous les animaux de A à Z. Et que devant moi, sur la table de Gabi, il y avait le planisphère avec la carte du monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Il avait tout. Il n'a pas vu. J'avais tout, j'ai même pas remarqué. Du coup, j'étais en mode... Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien d'être chaud. Mais j'allais pas tricher. Si j'aurais su, j'aurais pas triché. Parce que je connais déjà plein d'animaux. Bah oui, mais t'as pas triché. Un X comme animal, j'ai le xylophone. Parce que le xylophone, c'est un animal. Ouais. Toi, t'as balancé marsupial, c'est un légume, c'est honteux. T'as même pas cherché c'est quoi un oreillard. Je suis sûre que t'as pensé ces trucs qu'on met dans les oreilles. Voilà, par contre, c'est. D'ailleurs, tu pensais quoi un oreillard? Dis tes suppositions et après je vais afficher une photo. Tu pensais quoi? Non, pour oreillard. Moi je te dis oreillard. Tu penses à quoi? Ça me fait penser à des oreilles. Oui, mais c'est le but. C'est pas un oreillard. Non, sérieux, tu penses à quoi? Bah, c'est un animal. Oui, mais quel type d'animal? Je sais rien, avec des grandes oreilles. Comme là. C'est pas un lapin, mais t'as presque tout. J'ai des grandes oreilles, mais c'est pas un lapin. C'est une chauve-souris, voilà. Ah.
Ouais. Voilà. Ah, j'avais presque tout le monde. Hein. Bah, de toute manière, ça porte bien à son nom. Hein. Bah oui. En tout cas, c'est ton mignon. Tu vois, Bruit et Verne dans Pokémon, la Bruit et Verne. Ouais. La Bruit et Verne, elle est très différente. Elle est très meilleure. Voilà. Et d'ailleurs, si on décompose Bruit et Verne, ça fait Bruit. Donc les bruits. Et Verne, bah, ça fait penser à Caverne. Ouais. Voilà, et si on décompose Sonistrel, ça fait son. Et Nistrel. Et Istrel, ça fait Istrel, c'est une autre espèce de chanson. Et Salamèche, ça fait salamandre. Et mèche, c'est parce qu'il est en feu. Ah, c'est. Ah ouais. Et Reptincelle, ça fait étincelle. Et reptile. Et Dracofeu, c'est dragon et feu. Et Lanceurien. En fait, c'est lance. Lance des Pokémon et saurien parce que les sauriens c'est des lézards. Les sauriens c'est la classe des lézards. Ouais, mais c'est. Oui, c'est le pire. Oh hein, mais regarde. Oh, attends, c'est la dernière vague. Piou, piou, piou. Ah, c'est trop tard, t'as rien. Tu m'as déconcentré, tricheur. Ah non, t'avais qu'à te préparer. C'est pas fini. Piou, piou, piou. Piou, piou. Le plus dur est tout à l'heure quand il y avait les deux boss qui sont arrivés. Piou, 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 piou. Piu piu. Oh. Piu piu piu. Piu piu piu. Et voilà. On a fini. Du coup. Du coup, souvenez-vous avec alors, niveau 4. Là, on va pouvoir jouer à la vengeance commune. Mais pas dans cette vidéo. Mais si si, vas-y vas-y. Non. Fais ton invocation. Nice. Vas-y vas-y, on fait la vengeance commune. Mais non, pas dans cette vidéo. Bah si, mais parce que comme ça, c'est vite fait. Et ça fait 40 minutes qu'on tourne. Il y a que 20 niveaux. Là, comme ça. Mais si, on va y arriver. En plus, les niveaux ils sont super longs. Je suis fatigué là. Ils sont pas longs, c'est 20 niveaux. Mais regarde, on a tous les boss. C'est trop génial. Et vas-y, fais ton piou-piou. C'est plus dur là. Non, c'est toujours facile. Alors, donc il y a que 20 vagues. En fait, c'est Gore Invocateur. J'ai jamais vu ça comme ça. Regarde celui qu'on la hache là. Ouais. C'est qu'on la hache. Regarde ce qu'on la hache après. On n'a pas vu le nouveau monstre. Ah, on dirait les lunettes de Tug. Ah, trop fort. Regarde quoi, ils ont la hache. Ils se la prennent dans la tête et il y a du sang. Ouais, lui là. Lui. Oh là là. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir arriver jusqu'à la vague 20. Moi non plus. Tu penses quoi? Peur. Mais vous voyez, c'est vraiment ce mode-là où on gagne. C'est ça, là? Ça coûte 40? Oui, mais tu me lances une vidéo. Non, ça te donne 40... Mais c'est quoi qui m'a donné? Ah, c'est là. C'est à côté. Piu, 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 donc c'est vraiment dans cette vague que vous gagnez beaucoup de points d'invocation. Celle-ci elle est très très bien à faire plusieurs fois quand vous la gagnez. Bon, je peux parler un peu. Attends, laisse-moi faire mes piu piu jusqu'à la vague 30 pour t'énerver un maximum et gagner 5 euros. C'est 30 vagues ou 20 vagues? Je sais plus. Piu, 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 ah mince, tu m'as mis un doute. J'étais persuadé que c'était 20 vagues. Lui, il est mort. Oh, regarde bien. Ah, il s'est pris dans la tête. Oh, le mage, il a pas fait long feu. Alors, il faut savoir que Toto Zappi a fait de la musique. Je vois pas de quoi tu parles. Non, vraiment. Piano. Ah oui, tu fais du synthé. J'ai fait 2 ans. Ça compte pas, j'ai rien appris en 2 ans. À part à tapoter des touches. Tu nous feras une petite compo? Non. Ah bon? Je sais jouer. Que tu nous mets derrière une vidéo. Mais c'est ça, l'intro de Little Nightmare. C'est moi qui fais la musique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Toto Zappi qui a fait la musique de l'intro. Tu croyais que j'avais oublié, hein? Oh là là. Donc en fait, le fait d'évoluer un monstre niveau 400, c'est presque 1 million de pièces. Puisqu'on était à... Il nous restait 155 000. Ouais.
piou, 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 c'est 800. En fait, c'est lui le pire, parce que sinon, on les one-shot tous. Mais lui, là, lui, c'est mon, la domination. Lui, il guérit, mais il sert à rien, parce qu'on les one-shot tous. Donc, il faut que vous sachiez... Je veux pas qu'on en max 100. J'ai envie d'en max 100. C'est pire, c'est... Regarde, c'est pire, c'est pire. Là, ils sont passés. Alors, quand vous avez, quand vous perdez vos pierres comme ça, ce que vous pouvez faire, non, c'est dans la boutique. Cher, non, mais nous, on va pas le faire, hein, parce que... Ça, là. Voilà, ça coûte 100. Et ça renvoie toutes les pierres. Voilà, vous pierres. Vous allez répartir si elles sont abîmées. Ouais. C'est bien quand vous êtes bloqué à un certain niveau et que tu meurs, vous n'avez plus besoin des gemmes. Vous pouvez les économiser et les utiliser. Nous, on l'a fait sur le dernier niveau. Mais on n'a jamais mis la vidéo, donc on l'a pas fini. C'est là en mode. Non, c'était chef rage au point en mode cauchemar. Ouais. Mais tu t'es embarqué dans un truc trop compliqué. Bah, on aurait pu. On aurait pu. On est mort à 60. On a perdu la partie. On est mort à 60. Ouais, pack 60 de chef rage au point. Yo, 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 yo. Attends. En vrai, ça a bien avancé. Hein. Au début de la vidéo, c'était 260. Ouais, mais dans ce mode-là, ça avance beaucoup plus vite. On arrive à avoir. C'est l'idéal, c'est ce mode-là. Et plus on monte, quand on fait normal, quand on fait difficile, et ben, plus on en a des pierres. Ah ouais. Ça, c'est assez bien. Ça nous permet d'évoluer après assez rapidement. Ouais, c'est bien. Du coup, tu feras le montage. Oh là là. T'as voulu en faire deux, moi je voulais en faire un. Non mais c'est bien, comme ça on finit Lui normal. faut le tuer. Oui c'est bon, oh, oui. En un coup. Yes. Easy. Ça sonne pas bien les mots anglais de ma bouche, c'est ça? Non, parce qu'en plus t'as pas mal fait l'accent. T'as dit easy. Easy. C'est Luigi là. Non c'est Mario, je suis mythe Mario. Luigi, c'est pas comme ça, c'est Luigi. Ah oui. Et encore. Ouais. On dirait plus Yoshi qui met du coup. Bientôt le film. Ah là 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 là. Du coup, je voulais pas me spoil avec la bande annonce, mais. Quand on est allé voir. Et Game Angel, ils ont pas arrêté. Non, mais quand on est allé voir quel film déjà? On est allé voir. C'était quoi? C'était le chapeau T2. Ouais. Il est incroyable, je suis désolé. J'ai raté Ant-Man pour le chapeau. Bon, il était bien, le chapeau T1. Il était incroyable, je suis désolé, c'est le meilleur film d'animation de nous voir. Non, t'as vu les petites animations et tout? Mais bon, j'aurais préféré avoir. Si, si, incroyable! L'antagoniste là! Mmh. En plus, il est charismatique, Melou, je suis désolé! Alors. Eh, hey, on a 200. Non, on a 100. Bah, parce que du coup, je me suis dit, on peut faire une avocat. Ah oui! Let's go! Oh, super! Ça nous sert beaucoup, dis donc. Bah, il faut les améliorer en étoiles d'or. 3 étoiles d'or, ça serait nickel. Ouh. Ah, les légendaires, c'est pas mal. Ah, il faut savoir aussi que quand vous finissez un tableau, vous avez un talisman. Ah, j'ai besoin des tableaux. Des tableaux. Oui, après, ça débloque les autres tableaux. Là où on a des... C'est quoi ça? Regardez ça en vidéo. Oh, en une journée. C'est-à-dire 5 tirages pour 100 vidéos, c'est pas mal. Ouais. Le pire, c'est si ça s'est fait. Non, mais il faut que je reste les 4. On est mort, on est dans la mine, Je tiens, fais quelque chose. Mais eux. Oh. Bah, tu l'as, la boule de feu. Non, la boule de feu, ça suffit pas, ça fait rien. Regarde, ça fait aucun dégât. Ouais, c'est bien par là. Ouais, ça fait aucun dégât, qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, elle est pas évoluée. Oh là là. Heureusement qu'il y avait Cappuccino. On va économiser ça et on va mettre ça. Non, c'était clairement Claudia qui a bien. Je sais pas si on va pouvoir finir ce tableau. Hein. Non, on n'y arrivera pas, c'est ce que je t'ai dit. Je sais pas pourquoi tu t'es embarqué là-dedans. Au pire, si on n'arrive pas. Non, bah si on n'arrive pas, on le dit. Hein. Il faut le dire quand on y arrive et quand on n'y arrive pas. Toi, tu veux que les parties où on gagne. Ouais. Attends, est-ce qu'on les a ralentis? Non, non, non. Aïe, ça va être long. Eh, hey, vague 13. S'il n'y a que 20 vagues, on peut, hein. Il reste 7 vagues.
crois qu'on a beaucoup de pierres. Non, il y a 30 vagues, c'est obligé. Je sais plus. Non, moi je dis qu'il y a là. Je pense que c'est là. Non, Claudia, Claudia, c'est quelque chose. Claudia. Piu. Il a sauvé la situation. Bien joué, tout aux affaires. J'avoue, là, c'était bien joué. C'était bien, bien. C'est un trou. Malgré que t'étais en point 2. Hein. Des fois, il faut mieux mettre en point. Hein. Mais non, pas là, pas là. Là c'est trop bien. C'est quand il y a beaucoup qui arrivent. C'est le matin. Tu t'endors? Ouais, on a commencé la vidéo, il était quelle heure déjà? Voilà. Eh. Plus, t'es venu me réveiller, hein? Ouais, eh, comme on dit, hein? Me réveiller, hein. C'est pas moi qui me suis réveillé tout seul. La journée à ceux qui se lèvent tôt. Non, mais moi, d'ailleurs. Je connais même pas tes expressions. Je connais pas tes classes. Non, parce que c'est toujours des temps tôt au fur et à mesure. Je suis ravi. C'était pour voir si tu suivais. Ah alors, on est à la vague 15. Ça aussi, ça c'est bien si vous êtes sur Facebook et que vous avez beaucoup d'amis. Moi perso, j'ai pas d'amis, du coup voilà. Ouais, ça c'est mais, bien. Du coup, parce voilà. Que ça vous permet de gagner. Plus vous invitez des amis et plus vous avez des choses. Là voilà. Ta. Et à la fin, vous gagnez un légendaire. Si vous voulez, on pourra mettre notre. Ouais, on vous invitera. Notre truc de Facebook dans la description. Mais moi, j'ai pas d'amis. Quoi. Non, mais c'est sur mon Facebook. Parce que c'est une blague, hein, c'est pour faire. Après, je trouve pas mal ce jeu. Franchement, moi j'adore. Ouais, c'est le meilleur Idle Tower Sequence. Ouais, franchement. Idle Tower Defense. J'aime bien comment ils sont faits, les monstres. Comment... Regarde sa petite bouille. Les attaques. Oh, tu peux résister? Regarde sa petite bouille. Tu peux résister? Oui, surtout quand ils jappent, c'est ça? Oh, ils ont jappé en même temps. Mais oui, c'est normal. Incroyable. Alors, donc là, il va nous rester 4 vagues. Non, en comptant celle-là. Mais non, moi je dis c'est vague 30. Quoique c'est possible, en vrai, t'as raison, t'as raison. Et bientôt on va pouvoir faire. Ah oui! Oh! Le boss final! Mais non, c'est moi le boss final. Et bah, il faut encore 3 vagues. En fait, souviens-toi que dès que tu as le mec qui fait 0 dégâts là, on doit le jouer direct. Ouais, d'accord. On doit le jouer dès qu'on le voit. Bien, on est bien. Tu vas attendre. Donc voilà. Et voilà, on a des fini. De compos. Si vous voulez d'autres compos, bon, il va falloir qu'on gagne. C'est une vidéo ou un truc? Attention. Je pense qu'on va avoir le rajouté, mais à la fin, c'est bon. Non. Bah non, parce qu'il faut finir en mode normal. Oh, je vais avoir le roi de slime, c'est génial. Ah, je l'adore en plus. T'es bon à la détente, tu te mets là entre deux totems. Ouais, déjà, il va falloir l'évoluer. Niveau 400. Et lui, je pense que c'est plus un million. Non. Je sais pas. Attends, là, je vais pas. Alors, idéal, hein, quand vous commencez la partie, on sait pas d'évoluer comme nous, hein. Ouais, un monstre en 400 tirs. C'est de répartir. Ouais, c'est de répartir. Après, souvenez-vous qu'avec sinon... un client niveau 400 et une cadeau niveau 400, vous mettez deux totems et un peu de tout ça. Et vous évoluez vos éclairs et tout. Et bah après, avec ça, vous pouvez réussir le niveau. Tout. Je me suis compris. Personne m'a compris. Ouais, on est d'accord. C'est pas grave. Personne m'a... Oh, le... attends. Le principal, c'est que tu te comprends. On ressuscite les pierres. Non, non. Non, non, vas-y. C'est là. Lui. C'est bon. Il est mort. Ah, je l'ai gelé. Là, on est... Ah, vague 19. Non, mais c'est fini, là. Okay. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis. C'est vague 20. Franchement, je... Attends, là, j'ai trop peur. Mais si proche. Je peux prendre le... Au pire des cas. Tu veux pas qu'on ressuscite les pierres, du coup, ça. Non, bah non, parce que si jamais on perd, ils vont te demander, ouais, est-ce que vous voulez refaire la partie avec attends, avec attends, 50% attends. De plus. Prépare le blabla, prépare le blabla. Non, il y a pas besoin du blabla, je pense. On est bien, on est bien, on est bien. Là, tu joues bien. Concentre-toi. Oh, la vague 19 est terminée. Je crois que c'est la attends, dernière vague. On va geler le boss dès qu'il arrive. Comme ça l'empêche d'accélérer.
Non, on va faire des vidéos, Tu as regardé une vidéo dans une vidéo? Ils font des vidéos réactions, Ah oui. Bah après, moi j'aime bien les vidéos réactions. Des vidéos réactions, de vidéos réactions. Ah non, pas de vidéos de réactions. Il est trop puissant. La boule de feu. Non, il est trop puissant, on ne peut rien faire. Mais pas avec la boule de feu. Ouais. En fait, tu l'as gelé un peu trop tôt. Ouais. Mais sinon, il a utilisé son pouvoir, donc on a eu chaud. En fait, c'est mieux de débarrasser. Attends. Bah, c'est bon, on a fini. Et voilà, on a tué même le roi. Donc vous voyez, en une heure, vous pouvez finir deux trucs. Avec le mode accéléré, c'est-à-dire qu'on fait ça pour deux heures. Putain. Ah. Et oui, le roi des slimes, ça y est, on l'a eu. Et là, maintenant, tu peux la voir. Ah, et peut-être que quand on va finir le mode difficile... Attends, non, là, c'est juste pour la compo, du coup. Comment ça? Bah, le roi des slimes. Mais il est niveau 1. Il est quand même surcheaté, hein. Je suis sûr, là, il est déjà plus fort que Gluant. Ouais, j'abuse un peu, il a 56 d'attaque. 56 d'attaque. Du coup, là, on va mettre Gluglu. Il est où, Gluglu? Allez, petit coup de poil, allez, hop. On évolue au niveau 400. Bah là on n'a pas. On peut faire des tirages mythiques. Bah c'est pareil, si on fait un tirage. Tiens, tu vois qu'on pourra. On pourra faire des tirages quand on va. Regarde, c'est puissant, c'est puissant. Bah c'est bien. On va pas faire dans cette mode parce que voilà, on va le laisser farmer tout seul dans chaque rage au point. Et hop là. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. D'une heure. Bon bah j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour attendre une des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye, bye.